Ça, c'est dans le fond, c'est la première maison que je me suis construite. Alors, moi, je revenais toujours ici les étés. Puis, j'aimais ça parce que mes amis étaient ici. Puis j'avais grandi ici en famille d'accueil. Fait que, moi, je restais dans le quartier en arrière de la maison qui est là. Bien, on est vraiment pas loin de où on était tantôt. Puis, c'est ça, j'avais trouvé un terrain ici. Puis, j'ai dit, j'ai eu mon premier enfant, puis à Vancouver, fait que là, je restais toujours en appartement, puis on a décidé de se construire une maison, puis là, c'était ici, fait que c'est la petite ville de Val-Bélair. Ouais, ben c'est ça, les étés, au lieu de rester dans les villes où ce que je jouais, ben comme à Vancouver, c'était loin, tu sais, moi, je voulais revoir mes amis, revoir ma famille, puis la famille d'accueil que j'ai grandi, c'est une grosse famille, puis on est habitué, tu sais, à un moment donné, quand tu es habitué à ça, ben tu t'ennuies de tes frères et tes sœurs, puis c'est ça, là, j'aime ça revenir ici, là, puis j'ai toujours pensé venir vivre ici après ma carrière, là. Beaucoup de joueurs, ils restent à l'endroit où ils ont commencé leur carrière, avant de commencer leur carrière, là, ils retournent chez eux, puis voir leurs amis, puis tout ça. Là. Bien, ça dépend. Je te dirais que quand j'étais jeune, toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué puis toutes les places que j'ai restées, je restais toujours dans le centre-ville. Puis aujourd'hui, là, je suis plus un gars que j'essaie de m'éloigner du centre-ville. Fait que c'est assez bizarre. Dans ma tête, je pensais que j'aurais toujours resté dans le centre-ville. Puis aujourd'hui, j'essaie beaucoup de m'éloigner de la ville puis que ce soit plus la paix, la tranquillité.